Salut à tous, c'est le Picsou, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Resident Evil 7. Donc ce sera pour ma part ma partie 7. Donc ça sera la suite de la victoire contre la mère Baker. Donc du coup voilà, on est là pour continuer l'aventure, en espérant qu'on va avoir encore pas mal de surprises. Et je n'en doute pas, car ce jeu il est bourré de sensations fortes. Donc je propose qu'on continue l'aventure ensemble. Donc pour commencer, je vais utiliser mes trois pièces pour prendre une stéroïde de vie. Comme ça va mettre un peu plus de vie. Hop. Nickel. Stéroïde. Ça, c'est fait. Donc, comme je vous disais, on a tué la mère Baker. Des munitions. Bon, attendez, je vais les poser. C'est vrai que je les garde sur moi. Comme je vous disais, on a tué la mère Baker. Elle théoriquement sert à régler le problème, mais là ce qu'on va devoir faire, c'est prendre cette fameuse clé corbeau et aller voir la pièce qui reste dans la maison avant de continuer à aller plus loin. Donc ma vie a augmenté, ça c'est bon. Toujours plus de vie. Parce que dans ce jeu, il en faut. Donc je propose qu'on aille découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si je dis pas de bêtises, c'est là. C'est la salle où il y a le cerf. Donc justement, rappelez-vous, dans les précédents épisodes, il me semblait avoir vu une arme là-bas. Donc j'espère qu'il y en a une. Que c'est une arme, que c'est pas un truc pirate, genre je sais pas, un pied de biche ou un truc qui sert à ouvrir quelque chose. On va voir. Suspense. Donc voyons qu'est-ce qu'il nous propose dedans. Ok. Combustible. Et ça. Oh oui, c'est un lance-grenade, c'est un vrai lance-boulette, un vrai, pas de bluff. Oh comment c'est trop bien. Là on va pouvoir jouer là. C'est quoi? Cartouche de fusil. Ouais, grenade incendiaire. Quoi de caché là? Ok, composant. Poudre à canon. Bah je crois qu'on a fait le tour là. On est quoi? Oh, putain, plus je suis plein. On va faire du lance-grenade. Oh, ça c'est trop bien, oh là. Ça, je sens que ça va me servir. Si on a une arme aussi lourde, c'est que je pense qu'il va y avoir du level. On va croiser du monde. De toute façon, choper. Donc, je crois que maintenant, il faut aller voir à l'étage. Ah non, 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 non. À l'étage, c'est que les clés serpents. Il nous faut la clé serpent. Ah ouais, donc pour l'instant, il faut qu'on sorte. Alors, mais je me suis trompé. Bon, on va passer par les égouts. Par le puits. Parce que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais là-bas aussi il y a une clé corbeau. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se cache dedans. Sachant que j'ai récupéré la lanterne à. La lanterne à la mère Baker. Et en fait, au bout là-bas, il y a une porte. Et je pense que sa lanterne va nous servir parce qu'il y a une lanterne avec une corde. Et en fait, on peut pas ouvrir la porte, donc on va les voir ensemble. Je suppose que c'est pour ça. Pourquoi il y a un piano qui joue là? Qu'est-ce que c'est? Oh! Ah bah je rêve pas, c'était ce piano. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Mes oreilles n'arrêtent pas de siffler et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit depuis que cet enfant est là. Comme dit Zoé, il y a quelque chose de bizarre chez cette petite et la femme qui l'accompagne. Ensuite, je vois des choses, j'entends des choses, j'ai de nausées en permanence. Je suis allé voir le médecin en ville qui m'a fait un scanner. Qu'est-ce qui m'arrive? La petite m'a donné un cadeau. J'ai mis le cadeau à l'étage, dans la salle secrète, tout au fond, là où personne ne le trouvera. Ce bras est un signe de sa confiance, ce bras nous mènera au bonheur, et je tuerai de mes mains quiconque se mettra en travers de ce bonheur. Wouh, faut pas toucher à ton bras, apparemment, ma vieille. Mais bon, je t'ai ken, t'es morte. Donc je vais le récupérer. Il n'y aura pas de soucis, tu verras pas d'obligation. Ça te dérange pas, c'est bon. Allez, c'est parti. Bon. Est-ce que c'est...
ce fameux objet là. Ah oui! Ça c'est fait. Ok. Apparemment, ça m'a tout l'air d'être une chambre d'enfant. Enfin, c'est l'impression que ça donne, quoi. Il y a quoi dans le tiroir? Rien. Ok, merci. Oh, c'est quoi ce bruit? C'est l'armoire? Non, là, celle-là, elle est dans l'autre sens. Un ballon et tout qui passe, s'il te plaît. Famille, Evelyne. Ça me dit quelque chose, Evelyne. On a déjà entendu parler d'elle. C'est pas la première fois. Ils ont déjà cité son nom sur certains papiers. Je sais pas si c'est l'enfant de la famille ou quoi, je sais pas. Oh, ah c'est moi qui fais du bruit tout seul. Apparemment, elle aime pas les poupées, hein. C'est quoi cette image? Oh, on dirait un gros bateau cassé en deux, c'est Titanic avec des gens qui sautent partout. Waouh! Vite, on va mourir! Bah, apparemment, c'est ça. Oh, il bouge tout seul le truc et tout. Ah non, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a de la matière noire dans sa bouche. Ouais, mais il va muter lui aussi. Vas-y, je le repose de suite. Attention. Quand tu l'as balancé et tout, la chaise. De plus en plus fort. Ah non, il va s'arrêter là. On entend des bruits tout là. Oh, c'est la matière noire encore. Oh là, comment ça pue la merde. Oh, oh, acculé. Oh, ça c'était des poupées, mais bon. Pfff. Qu'est-ce qui a marqué? Quelque chose? Non, pas intéressant quoi. La porte s'est fermée et tout. Bah, je vais faire. Oh non, ma lumière, qu'est-ce qui se passe? Non! Ne t'approche pas. Oh, ça fait speeder. Oh, ça fait trop paranormal activity là. On l'écoute ou pas là? Putain, encore ce ballon là. Vas-y. Sors-moi de là. Tu veux jouer à la balle? Franchement, je sais pas si j'y vais ou j'y vais pas là. On écoute le conseil ou pas? Allez, on y va. On verra bien ce qui nous attend derrière. Ok, ça m'a l'air d'être un cul-de-sac. C'est une chambre, apparemment. C'était la chambre de la petite. Ça a l'air d'être la chambre d'Evelyne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok. Personne là? Non. Sécurité avant tout. D'accord, bon c'est quoi? On dirait un carré avec. On dirait une cabane sur pilotis, non? Une cabane. Genre sur le toit de la cabane. Il n'y a pas de cabane ici, j'arrive pas à comprendre. Alors attendez. Non, c'était pas cette cabane. On va la refaire. Non, c'est bon, je crois que j'ai compris. Ok, c'est la pièce en fait. C'est le couloir, le carré, c'est la pièce, au milieu c'est le lit.
Donc, si c'est le mur de derrière, ça serait celui-ci. Que là, c'est le couloir. Il y aura quelque chose sur ce mur-là. Si je me frotte dessus. Ah! C'est quoi? Ah merde, en dessous! Eh ben voilà! Ah, c'est quoi ce petit hôtel-là? Ah, un zombie! Ah! Bras de série D. Allez! T'as envie de le prendre, hein? Ah! Ma pote, c'est l'avant-bras qui prend! Bleh. Bon, ça coule et tout. Comme vivant le bordel ou quoi? Ok. Oh! Vous avez vu? Oh, putain, y a rien à prendre là? Bah! Attention, paranormal activity. Oh, mais non, mais grave, mais trop ça, regardez! C'est dessiné partout dans la pièce! Elle a écrit sur les murs et tout. Oh là là! Pas besoin d'avoir du danger, c'est une petite fille. Je crois qu'on peut sortir. Oh, oh, culé, vite, vite. Recule, recule. Putain, je peux pas fermer la porte. Non. Oh, tu vas mourir ou bien? Trace dans la tâche rouge. Elle a pas envie de mourir, le bordel. Non, pas de câlin là. Non. Ah non, en fait, tu fais rien. Ah si. Ah non, il m'attrape le bras. Dégage! Tiens! Prends ta série là! Voilà! Qu'est-ce que c'était compliqué! Bah, tu as toutes mes balles, j'ai plus de balles presque, les restes 13 balles! Bon, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres là! Bon, là. Ah, la matière noire. Doucement. Elle est encore ouverte la porte, c'est bon. Ah putain! Vite, 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 vite. Hop, sécurité. Tiens, tiens. La porte! Ferme la porte! Là. Personne d'autre? Ok, il n'y en a qu'un autre côté. Vas-y, recule. Tiens. Merde. Merde. Tiens, prends ça. Tiens. Tu vas mourir. Non, non, il est rentré. Putain, c'est une blague. Lance-flamme, vas-y. Je vais te cramer direct, mon pote. Oh non. Ah, t'as fondu, là. Ah, mon pote, hein, barbecue. Je me soigne direct. Putain, mais ils sont résistants de malade, hein. Ah, aussi la monstre plante, là. Avec leur liane, ils sont moitié élastiques, là. Craignent pas les balles. Je vous avoue, je suis pas rassuré, du coup. Bon, il faut bien regarder dans les coins, quand même. Ah putain, il y en a un autre là. Bah putain, c'est un boss en plus. Non, 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 dégage. Oh putain, vite, vite, vite. Oh con, il a du mal à prendre le bois là. Il est humide ou quoi? Allez, tu vas cramer ou quoi là? Là, non? Si. Ah oui. C'est du charbon là. C'est quoi qui tape? Putain, mais ça te porte en fait. Ça me dirait quelque chose qui tape. Claque la porte. Bon, ben nous on voit la sortie. Je pense qu'on risque plus rien maintenant. On est sorti de l'espèce, je sais pas, c'était une chambre. Enfin, c'est qui m'appelle? Comme dérange. Allô? T'inquiète. Je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc. Mais grave, moi m'en fous, je me sens pas concerné.
J'ai pas baisé que des hommes, moi. Ok, j'arrive. Dans la caravane. Ouais, de toute façon, non. Allez, on y va. Esquive le trou. Allez, c'est parti. Oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Suspense. Ça m'a l'air un peu trop facile. Elle a la tête, j'ai le bras, c'est bon, problème résolu. On verra bien. Ah ouais, déjà le téléphone il sonne. Elle est où là? Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Ça va nous aider, c'est ça? Ah mais non, c'est l'autre con. C'est Lucas, je crois. Je crois que c'est lui, Lucas. Laisse-les partir! Qu'est-ce que tu leur veux? Non, non, non! C'est des histoires de famille, Ethan. Alors, tu ne veux pas ça? Apparemment, ils seraient frères et sœurs, les trois. C'est ce qu'il insinue. T'inquiète, je vais venir. Petite fête, quoi. Oh, qui est bon, t'es gentil. Je suis pas ton pote, t'as vu? Qu'est-ce qu'il m'a mis dans le frigo? Qu'est-ce qu'il m'a réservé là? Eh ouais, c'est la fête! C'est super! Allez, on va voir qu'est-ce qu'il m'a dégoté là. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Ma surprise! Quand même! Distance de sécurité! Ah! Ah, c'est quoi cette tête qui a muté là? Tête de blague ça. Ah ouais, en fait là, et la gueule elle s'ouvre en haut. Ah, le flic t'attend dans la salle de dissection, tocard. Boah. Ok, en fait le bordel il a muté. Il a coupé la tête direct. Boah, du coup il a muté du cerveau le bordel. Bon. Mais on va devoir y aller alors. Je propose quand même vite fait qu'on vérifie. On va faire sauvegarder. Parce que... c'est pas, j'aurais un zombie de 3m50 qui me déboule, qui m'éclate en 2-2. Donc on va sauvegarder. La prévention avant tout. Ok, ok, ça c'est fait. Maintenant, est-ce qu'on est plein? Hop, 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 hop. Un peu de pistolet, un peu de lance-grenade, 3. 7 pompes. Bon, mais je pense qu'on est opérationnel là. On va lui botter le cul à Smith. Recharger. L2 triangle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Non. Putain, on a trop des bruits qui font speeder dans ce jeu. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de nous, quoi. Alors, c'est là. Ça, les dissections. Ah là là, faut retourner en bas, mais en fait c'est l'endroit que j'aime le moins dans le jeu en fait quoi. La cave, enfin dessous là, la salle de dissection. J'aime pas cette pièce. Oh là là. Là tu vas penser qu'il y a quelqu'un dedans. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un zombie qui va me sauter dessus là. Ok. Putain, par contre, cette porte est toujours fermée. Je sais pas si y a un zombie derrière qui va la débloquer ou je comprends pas. La sauvegarde automatique, elle se met maintenant, tu sais. Elle sert à rien. Oh putain!
putain de vieille de merde. Putain, mais elle est partout, cette putain de chimène de merde. Putain. Qu'est-ce que tu fais? Je te nique, moi. Ah, putain, à cause d'elle, j'ai niqué mon soin. Je voulais mettre une barre, je peux même pas, en fait. Je me suis fait niquer tout seul. À mon propre jeu. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Oh. C'est quoi ce qui s'est explosé là, hein? On dirait qu'il y a des briques qui sont écroulées. Ah, pompe obligatoire. Non. Ah non. Recule. Bah mais c'est quoi ça? Ah ouais, c'est les anciens zombies de Resident Evil. Ah, ils sont dégueulasses. Ah, ils étaient bien, non? C'est quoi ce monstre? Plante bizarre. Pouah, c'est dommage, je préférais ceux d'avant là, avec leur longue langue là, leur cerveau là. Ah, ils faisaient beaucoup plus peur. On dirait, je sais pas, une espèce d'araignée bizarre, hein. Dégage. Ah, mais il a pas muté. Son corps doit être en état de... Ouais, de... Il est mouillé, putréfié le truc. Ouais, tu m'étonnes. Une pure interne. Tu me... Ah, qu'est-ce qu'elle a? Ah non! Ah, le con! Ah, te bois! Merci! Ah, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger quelque chose, là. Les serpents. Oh oui, ça c'est fait. Cette petite chose va t'aider à trouver les deux cartes d'accès dont tu auras besoin pour participer à notre appel. Ah, les deux cartes d'accès. Ah, c'est... Tu dois gagner ton billet dans... C'est la porte à gauche de la caravane, ça. Oulala, on avance. Oh putain, dégage. Dégage. Je suis un peu loin, là. Là. Oh oui. Barbecue parti. C'est bon là. Tiens. Cas où. Pas d'autre là. Attention, on veut pas surprise surprise là. Oh putain. Vite. Ouh, tiens les balles explosives. Tiens, tiens. Pam dans ta gueule. Pam, allez vas-y. Ah, oh, je t'ai séché mon vieux. Attendez, là-bas. S'il y a une porte serpent, mais ça sert à rien. Théoriquement, je pense que c'est elle qui revient de l'autre côté. Je suis sûr. Si, c'est sûr. Y'a rien là? Non. C'est dommage qu'il n'y a pas des objets sur le cadavre, genre des munitions. Enfin, si avant c'était un être humain ou quoi, ça serait sympa. Pas trouver une herbe, parce que l'herbe, je comprends, mais genre des munitions. Couteau. Je sais pas, une arme de lancer. Bon, il n'y a plus personne là, j'espère, parce qu'au final là, tiens, je vais me taper un retour. Qu'est-ce que... Ah, c'est ça qui fait du bruit. Oh, c'est relou ça. Ok, toujours fermé. Pas l'ouvrir cette putain de porte. Je me suis planté. C'est trop bien, y'a personne là. Vite, vite. C'est quoi? Ah non, non, non. Putain, j'ai parlé trop vite. Oh putain. Ah, ah non, t'es mort. Ah, ils sont pas super beaux, hein. En fait, faites pas peur, c'est juste que vous me surprenez. Bon, enfin bref. On va continuer. Maintenant qu'on a la clé serpent. Personne, on est d'accord? Non, pas de mauvaise surprise. Aussi, il faut se méfier. Oh putain, non, 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 encore un boss. Oh mais ça y est, la reproduction. Là. Ah, 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 j'ai plus de balles. Ouf, ça à la porte, c'est vraiment efficace. Ça, ça sauve la life. Vas-y, monte ta tronche, toi.
Tiens, je vais te faire un brochet, mon pote. Je vais te scalper. Commence à être un petit peu dans la merde, là. Non, on peut pas faire. Non, on peut pas faire. Non, on peut pas faire. Ok. 3 balles. C'est lance-grenade. Oh putain, il y en a 2 en plus. Mais mange ça. Il y en a un qui a survécu apparemment, on l'entend encore grogner. Voyons. Putain, mais non. Là, là, pouh. Ça c'est bien, ça me met pas de dégâts moi. Putain, j'ai cru que j'allais m'exploser la tronche sur le coup. Vas-y, t'es bon ou pas là? Ouais, c'est bon. Ah mais là on peut sortir. Non, il y en a encore un là. Putain, mais c'est une blague, ils sont partout là. Bah le bâtard il sort. Ah non. Vite vite, j'ai plus de balles. Vite 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 vite. Tant pis, je l'esquive. Y'a quoi là? Hop. Allez, rentre, rentre. Bon, je propose que nous sauvegardions, je pense. On va voir qu'est-ce qu'on a là comme munitions déjà. Ça je vais le poser. Je n'ai pas besoin. C'est la crise un peu, on va reprendre la lance-flamme. Mission de lance-flamme. Et ensuite, tu voudrais du lance-grenade. Comment on va faire? Fais comment là? Allez, c'est parti. Allez, je vais aller loin avec mes 10 balles, moi. Donc, nous allons voir en haut. Qu'est-ce que contient... Enfin, qu'est-ce que... Il y a caché derrière la porte serpent. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans? Ça contient sûrement des objets, des choses qui vont nous être utiles. Déjà, on doit récupérer apparemment les 2 cartes. Donc, ce serait la carte rouge et la carte bleue, si je ne dis pas de bêtises. Pour ouvrir la porte qui est à gauche. Putain, mais cette vie, elle est partout, en fait. Elle me suit, mais qu'est-ce que t'as? Tiens. T'en veux pas la taper, là? Là, tu vois, c'est la seule qui n'est pas infectée. Ok. Ah, c'était un Marines. Tchac. T'as bien changé. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boîte? C'est la boîte secrète. Oh, des verres. Ah oui, un crochet. Là, on a fait le tour. Non, là. Cartouche de fusil, merci. J'ai cru qu'on pouvait prendre la veste sur le coup, nous. Non, ok, une horloge. C'est cool. Ça ne me reste pas grand chose. La même heure que sur toutes les autres horloges. Ok, ah d'accord, là ça me parle. Là. Il va falloir que je regarde l'heure sur les autres horloges et que je la mette à la même heure. D'accord. Là ça m'aide. La sécurité avant tout. Non, tu peux pas fermer la porte. Photo d'un trésor. Ah. De l'herbe. Ok, c'est tout. Ok. Ah, c'est quoi ça? On dirait un schéma d'une arme. Ah d'accord. Ah merde. Ah mais c'est une arme que j'ai déjà. Oh tout. Ok, le cerf. La porte corbeau, le lance-grenade. Merci. C'est gentil, mais bon, j'aurais vu avant, c'était bien aussi. Mais dans tous les cas, je peux pas le voir avant parce que j'avais. C'est un peu con ça au final sur la logique. Parce que il fallait la clé corbeau pour y aller, mais pour venir ici, il faut la clé serpent. Mais pour avoir la clé serpent, il fallait avoir la clé corbeau. Donc au final, c'est pas logique quoi. Sur le... Là, il a rien à foutre ici, ce plan en fait. À moins qu'on est vraiment con, hein, le type, il vient ici, il a tout raté. Il a raté en fait. Oui, ça peut arriver, oui, éventuellement. Mais bon. Pas de chance quand même.
Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? Allez, ça y est, il va y avoir des zombies là. Ça pue la merde. Lance-flamme, c'est bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien lance-flamme. Youhou! Y'a quelqu'un? Y'a personne. Allez, là. J'arrive pas à la trouver en fait. Une chambre. Allez, mais ferme la porte, abruti.com. Il est cassé. Ok, celui-là il est cassé, l'autre il marche. Olivier a arrêté de crier, mais parfois je l'entends frapper là-haut. Mort. Ça pue comme pas permis. Il y a de drôles de jus qui coulent du plafond. À part ça, j'ai eu le temps, j'ai eu encore changé le trophée de la télécommande. Maintenant, il y a de la lumière la nuit. Ok, d'accord. Quel bâtard, il a enfermé son collègue ou quoi, lui, Olivier? Dans le grenier. Voilà, ça c'est fait. Je vais venir à un pote, je l'enferme dans le grenier, qui crève là-haut, ça fait bizarre. Ah, le fameux bouton dans le trophée, Guérard. Bon, il y a Olivier ou quoi là-haut? On va voir s'il reste pas grand-chose encore à voir. C'est jamais, il y a toujours des trucs à découvrir. Hein. Un ballon. Ok, c'est super. Combustible, ça me plaît. Trophée ingénieur. Non, il n'y a rien dedans. Ok, trophée ingénieur aussi. Genre des trucs cachés, on sait jamais. Donc, pas non plus. Boutique. Eh ben, dis-y, non. Pas d'objet caché là. Maman m'a amené à l'hôpital dans la ville. Ils ont pris une photo de ma tête avec une machine bizarre. Ensuite, maman m'a acheté un Pulse de 259 pièces. Cet imbécile d'Olivier n'arrête pas de me taquiner. Il dit tout le temps, t'es malade dans ta tête. J'ai menti à Olivier, je lui ai dit de venir pour ma fête d'anniversaire et je l'ai enfermé dans le grenier depuis l'intérieur grâce à ma télécommande. Il n'arrête pas de me supplier, laisse-moi sortir, Lucas. J'ai changé la télécommande pour que cet idiot de Zoé ne puisse pas aller dans le grenier. Je l'ai combiné avec l'un de mes trophées d'inventeur. Ok. Bon, en fait, il a vraiment enfermé son pote dans le grenier, quoi. Vas-y, je te fais venir pour mon anniversaire. En fait, c'est un bluff. Quel bâtard. Donc, le trophée d'ingénieur, à part, ouais, c'est celui que j'ai utilisé, je crois. Ah ouais, c'est celui-là, là. Non, c'est pas les mêmes. Hein. Je vais vérifier. Non, non, ingénieur, non, c'est boutique, non, c'est pas ça. Hein. Non, mais c'est bon. On est en paix. On peut aller voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. Une cassette. C'est quoi? Installation d'une porte activable par des ombres dans le hall principal. Ouh, ça a l'air promet d'être intéressant. Ça promet d'être intéressant. Après, c'est que des codes, période, chantier, d'accord. Ok, j'ai plus de place. J'ai plus de place. On peut rien combiner. Non. T'as vu quel stob? Ok. Ça non plus. Ça c'est un bûcheron. Allez, on va essayer de trouver le bûcheron. Non, dans l'autre sens. On y est presque, on est bon, mais dans le mauvais sens.
Voilà. Bon, mais finalement, c'était facile. Oh oui, ça serait pas la première carte bleue. Ah putain, j'ai pas de place. Bon, mais il va falloir que je retourne. J'ai tout le matériel que j'ai sur moi. Et voilà, parce que sinon, je vais pas pouvoir récupérer la carte bleue, sachant qu'après, j'ai la carte rouge à récupérer. Bon, mais du coup, sur cette vidéo, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un like ou un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et du coup, je vous dis à une prochaine vidéo, et ça sera pour récupérer les deux cartes manquantes et continuer l'aventure. Bon, mais sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!